Salutations voyageurs, nous nous retrouvons pour une nouvelle aventure sur Bleach Soulless Collection, un jeu PS3, le meilleur jeu Bleach. En même temps, c'est pas dur, c'est à peu près le seul. Après, t'as des jeux DS, bon, ça compte pas. Après, t'as un jeu un peu Dokkan Battle, mais bon, on peut plus ou moins se mettre d'accord sur un truc. Les Dokkan Battle, c'est de la merde. Parce que c'est pas du jeu, c'est juste un truc où c'est de la drogue, où tu dois collectionner des machins et des bidules. Bref, dans tous les cas, on va démarrer avec le grand Kurosaki Ichigo. En difficulté normale, je suis quelqu'un de très normal. Ah oui, les voix sont en japonais. Hein. Aizen Sōsuke wa hōgyoku wo mochiite Arankaru wo umidashi, gensei, soshite Soul Society への shinkou wo kuwadateteita. Sarani Aizen wa Inoue Orihime no chikara ni me o tsuke, Espada no hitori Urukiora Shifaa ni meijite, kanojo wo Rekomundo e to rachi shite shimau. Sore wo shitta Ichigo wa Orihime wo kyūshitsu suru tame, Ishida Uryū, Sado Yasutora to tomo ni Rekomundo e to senryū shita. Incroyable. Du coup, on va secourir, comment ça s'appelle, Orihime, bien sûr, la rousse. La rousse au gros tété, bien sûr. C'est comme ça que je la reconnais. Je reconnais son charisme de loin. Allez, c'est parti. Ce jeu est un mousseau. Ikuze. C'est un mousseau, du coup, c'est parfait. C'est débile comme il faut. Dirigez-vous vers la Snow Chair. Getsu Gatenshu, non. Attends. Ah voilà, je me disais bien, il y avait une touche pour accélérer. Boum. Le château, c'est un palais. Il est où le palais? Attaque de base, carré. Oulu. Ah oui, c'est vrai, il y a des combos, tout ça. D'ailleurs, c'est un jeu auquel j'ai fait le platine. Et bon, le platine est légèrement répétitif, étant donné qu'il faut farmer. Hein. Le jeu se finit en 2 heures, vous faites tout le contenu en 2 heures. Et il faut jouer 200 heures au jeu pour comment dire. Oh, l'holofication, hop le. Directement contre des moves. Contre des mobs. Oulu. On tartine bien là. Getsu Gatenshu da. C'est stylé quand même. Mais ça fait plaisir de jouer un bon jeu. Enfin bon. C'est le seul. Mais à l'époque, ce jeu, je le voyais comme le Messie. C'était incroyable. D'ailleurs, avec la nouvelle sortie de Bleach, enfin la sortie du dernier arc, va-t-on avoir le droit à une nouvelle adaptation en jeu vidéo un peu meilleure que des Dokkan Battle Sprint. Non mais c'est bon, je sais. Ah, Nelu. D'ailleurs, pendant longtemps, sur Battle.net, j'ai un nom qui est une contraction de Nel et de Ulquiorra. Eh oui, hein. Faut le savoir. Hein. Je suis un gros weeb. Ça va être chiant comme ennemi, ça. Sans pile poil là où je peux pas taper. D'ailleurs, j'ai regardé c'est peut-être un sacrilège pour certains, mais j'ai regardé cet animé en français. Et en vrai, la VF est bien. C'est peut-être le pire sacrilège pour un fan de Bleach, mais je m'en fous. En vrai, la VF est bien de Bleach. Par contre, ce que je pourrais reprocher à Bleach à chaque fois que je regardais, à la fin de chaque arc, j'étais déprimé, gros. C'est un manga de la dépression. Hein. Alors, Kurosaki, il fait tout le temps la gueule. Ah,
voulu. On n'a pas encore pris un coup. Ah, c'est bon. Il fallait en parler. Hein. Il suffit d'en parler. Hein. Ok, tu peux. Attends, hop là. Y'a pas un autre sort que ça? Ah bah voilà. Des mini Getsuga Tenchu un peu partout. Rien et personne ne peut m'arrêter, c'est admirable. Attends, faut tuer tous les petits caca là. Ok, on peut se transformer à nouveau en holo. Boum boum. Garde Shumpo. Vas-y, on va essayer. Shumpo. À propos. Arrête de parler, Rukia. Attaquez-les lorsqu'elles se lèvent. Ok. Bon, je les attaque quand je veux. Hein. Ça va être un peu overkill, mais c'est pas grave. On va lui balancer toute la sauce. Ignition. Très bien dans ce cas. Moi je suis pas le scénario. Désolé, le scénario j'écoute pas. Ça parle pas français, j'écoute pas. Moi. Et en plus, je dois me battre. Battez-vous. Allez vite. Oups, je me suis trompé de touche. Getsuga Tenchu. Voilà, un peu overkill. Et là, on va avoir un ennemi où on a besoin de l'holofication. Bah voilà. Comment il s'appelle déjà? Dégage de mon chemin, minable! Comment il s'appelle? Locu. Ah, le Menos Grande, ok. Alors désolé, mon bleach est un peu rouillé. Ça fait un moment que je n'ai plus regardé. 4-5 ans. Enfin, depuis que j'ai vu la fin en manga. Moi j'ai déjà vu le dernier arc, hein, mais en manga. D'ailleurs, pas de spoil de l'anime, même si bon, je connais. Bon, bref, si vous pouvez spoiler, hein. Vu qu'en vrai, j'ai vu le manga, c'est bon. Il y en a encore ? Nani ? Nandesuka Kisame ? Ouais, il y en a trois. Power up. Mais je l'ai pas le power up. Ah ! Ichigo, ils sont trois. Bon, ça, ils sont pas très forts, hein, les Menos Grande. Hein. On en fait toute une histoire, mais au final, bon. Excusez ! Voilà, il est insensible. On n'est pas con, on change de cible. Oulé, 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 oulé. Ça, c'est dommage qu'il... Alors, on va reprendre lui, là. Ah, mais ils ont une regène. Ces salauds, ils trichent. Alors, ça servait à rien de switcher de cible, du coup. Oulou, 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 oulou. Ok, on change pas de cible cette fois. D'ailleurs, vous avez pas que Kurosaki à jouer, hein. Vous avez 20 persos ou une connerie du genre. Oulou, 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 oulou. Oulou, 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 oulou. Au final, on va en tuer aucun avec
Ok, on peut cancel comme ça. Ah, j'y suis arrivé une fois, mais pas deux. Oulé. Oh, ah, bien joué. Je voulais m'installer dessus. Hein. Le mec a lu dans mon esprit. Accusé. Bah, rang S. Minimum. C'est rang S. Hein. C'est juste qu'ils écrivent bizarrement les japonais. Oh mon dieu, j'ai eu un trophée. D'ailleurs, on est sur émulation, faut savoir. Vous pouvez faire de l'émulation PS3 maintenant. Si vous voulez une vidéo tuto pour faire de l'émulation PS3, bah, je suis pas contre. Hein. Je vous ferai ça avec plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est fluide, si c'est correct. Oh, on peut directement affronter Grimjo, incroyable. Et lui, je l'ai jamais aimé. Comment il s'appelle? Ishida, je l'ai jamais aimé. Je l'ai jamais aimé. Je te déteste, minable. Et là, le pire, c'est qu'on va le jouer, c'est ça? Bien sûr, n'hésitez pas à faire pause hein, pour lire le petit texte de lore. Je parle en même temps c'est du japonais. Hein. C'est du japonais. Plus bon l'histoire, on va pas se le cacher si vous regardez cette vidéo. L'histoire de Bleach, bah vous la connaissez déjà. Vous allez pas me mentir. Mais on va pas spoiler, hein. Faut pas spoiler. Faut que ce soit regardable pour tout le monde. Hein. On va pas parler de la fin de Bleach, pas tout de suite. Hein. Et ni... Hein? Hein quoi? Ah bizarre. Ah bizarre, ça spoil. Oula. Ouch. D'ailleurs, si je vous ai spoilé, n'hésite pas à mettre un like. Ça me ferait plaisir. Même son gameplay est insupportable. T'es insupportable, Ishida, bordel. En vrai, il y a quoi comme pire spoiler que ça hein? Il y en a pas. Hein. Le fait qu'Aizen revient dans la suite du manga. Bon, je mettrai quand même un petit message comme quoi je spoil. Hein. Sur la vidéo YouTube, histoire de pas m'attirer les foudres. Aizen ! C'est des holos, mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Et ils sont faibles, les Arancars. Hein. Une flèche. Vaut le coup. Oh, c'est stylé ça. On peut taper à l'épée? Oh, bien sûr. Oui. En fait, faut pas bouger. Sinon, il est moins efficace. Faut rester immobile. Ce qui est cohérent vu que c'est un archer, quoi. Ça, je me souviens. À l'époque, j'étais là, je cassais tous ces cochonneries là. Hop là. Oh, ils sont nus. Ça, c'est à moi ça. Ah, pardon, j'ai pas fait exprès. Il a jeté un tampon usagé, bien sûr. Oula. Imaginez, j'oublie de préciser que je spoil la fin de Bleach. Ce serait dommage. Hein. Bon, après, bon. Est-ce que c'est grave ou pas? Non. C'est sorti il y a combien de temps la fin de Bleach? Il y a quand même un sacré bout de temps. Hein.
Bon, après l'anime. L'anime, c'est pas encore à jour. Ah, mais arrêtez, vous m'agressez, madame. Vous voyez bien que vous n'êtes pas raisonnable. Caractère. Il a une garde, ok. Walida. Aizen. Oh, bah j'ai plus rien. Bon. Une grande salle, un grand ennemi. Bah des tortues. Ichigo affronte des Menos Grande D et Ishida. Bon. Ishida affronte des tortues. Hein. Boum. Ah. D'ailleurs, quitte à spoiler, on va continuer à spoiler un peu. Pour ceux qui ont vu la fin de Bleach, vous trouvez pas que les Bankai des captains à la fin, en gros, c'est juste des adaptations contre l'ennemi qu'ils ont eu à la fin. En gros, ah, tu es insensible à ça, bah tiens, bizarre. Enfin, ton point faible, c'est ça, bah mon Bankai, c'est ça. Ah bah voilà. Je suis ton point faible, hein. Le monde est bien fait quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Sans trop spoiler non plus, hein, mais... C'est un peu ce que je pourrais reprocher à la fin de Bleach. Hein. Après, à voir, hein. Peut-être qu'ils vont faire les choses différemment dans l'anime. Ce serait bien, d'ailleurs. Une fin alternative dans le... Dans l'anime. Mais pour l'instant, je regarde pas l'anime, hein. En gros, j'attends. Comment dire? J'attends qu'il y ait un peu d'avance, genre une trentaine d'épisodes d'avance, voire un peu plus, histoire de me les faire tous d'affilée. Moi, j'aime bien me faire des grosses sessions animées comme ça. J'aime pas regarder un anime et attendre une semaine. Oulu, Aizen! Boum! Y a-t-il un adversaire à ma taille? That is the question, bien sûr. Bonjour. Je me balade avec mon arc dégueulasse. Comment allez-vous? Je viens pour vous déglinguer. Bah, pas grand-chose, hein. C'est pour ça qu'ils sont un groupe. Bolida. Boum. Boum. Voilà. Tu vois un peu? À quoi ressemble? Bon, juste les dégâts sont augmentés, j'imagine. Boum. Aizen. Aizen. Ça remonte par contre. Oh, Izen. Ah! Non! Oh, le coup de boule. Coup de boule dans ta bouche. Oh, Izen. Vas-y, Igneshun. Une goutte de sperme. Hop là! Boum! Ça fait ça quand vous êtes vierge. Eh oui. Faut le savoir. Le sperme de vierge est vraiment très efficace. Ah, ça tire à côté. Oh, j'ai eu peur. Comment on fait pour esquiver déjà? Attends. Comme ça, hein.
Est-ce que sperme, ça peut être considéré comme de la vulgarité? Non. Non. Oh, bah non. Faut être raisonnable. B. Bien. Bravo. Tu as eu le rang B. Mission 01 débloquée. Ah oui, parce qu'en plus, vous avez des missions secondaires. Et dans les missions secondaires, vous pouvez prendre des personnages. Ah. Bah, pas maintenant. Normalement, vous pouvez prendre d'autres personnages que les héros. Mais voilà. En gros, vous avez tout ça. Et en gros, le platine consiste simplement à avoir le rang S sur toutes les missions. C'est-à-dire là, toutes les missions qu'il y a ici. Le rang S dans toutes les missions d'histoire. Il y en a une vingtaine. Voire un peu moins. Et avoir tous les personnages niveau 200. Et c'est dans Soul Attack, je crois. Ou... Non, c'est pas là. Level Up, c'est là. Et voilà à quoi ressemble un Level Up. On va le faire ensemble. Kurosaki. Hein. Intéressant. Mais j'ai pas besoin d'infos. Voilà, vous utilisez 200 points. Et hop, c'est un peu comme Final Fantasy 11, je crois, qui avait un arbre de talent comme ça. Et t'as des Tailoff aussi qui ont des arbres un peu comme ça. C'est très japonais, hein, ce genre de level up. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode. Je vais voir si je fais la suite. Je vais attendre un peu les réactions des gens sur ce premier épisode. Si c'est intéressant, n'hésitez pas à le dire. Si vous voulez voir la suite. Parce que bon, je ne vais pas faire le jeu si personne n'est intéressé. Surtout que c'est un Musso, c'est un jeu très répétitif. Du coup, c'est à voir, tu vois. Parce que c'est... On va faire tout le temps la même chose, globalement. On va taper des trucs. Bon. Et il n'y a pas vraiment d'histoire, vu que l'histoire, on la connaît tous. Dans tous les cas, je vous remercie. Dites-moi si vous voulez la suite. Si vous la voulez pas, bah, je la fais pas. Tout simplement. Et à tantôt. Au revoir.